exercices pour challenger son équilibre. Des exercices d'équilibre, on peut en inventer des milliers et des milliers. Là, je vais vous proposer quelque chose pour travailler en même temps les bras. On va le faire d'abord sans rien et puis après, on va rajouter les balles lestées. Donc, on se met ici bien droit. On baisse bien les épaules, les bras le long du corps, comme de main vers l'arrière. L'idée pour démarrer, ça va être de monter ici un bras vers le ciel. On inspire, on souffle. Et le deuxième bras. On va se concentrer déjà ici sur l'activation des bras, les paumes de main étant vers l'arrière. Quand je viens ici descendre un bras, je viens presser. Voilà. Parfait. Une fois qu'on commence à être à l'aise ici, je démarre en montant sur un pied. Et je continue le mouvement. Voilà, les mini-mouvements ici des bras vont vous déstabiliser un tout petit peu. Et ça, c'est chouette pour travailler votre équilibre. On redescend tranquillement. Et on se challenge avec votre pied. Moi, je vais aller doucement avec ce pied. Hop. Tout petit. Hop. Hop. On descend. Et on relâche. Si je veux rajouter un peu de renforcement au niveau des bras, je vais rajouter des balles lestées. Les balles ici, elles ont 500 g de poids, elles sont pleines. Hein. Vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau, ça fera l'affaire aussi. Voilà, pour ajouter un petit peu de challenge, un petit peu de poids, des petites haltères, des petites bouteilles d'eau ou les balles lestées, 500 g, 1 ou 1 kg. On est parti, même exercice. On commence avec les bras, on fait attention à avoir les coudes bien tendus. Paume de main ici vers l'arrière. Les épaules sont basses, donc on fait juste attention à ne pas être un petit peu coincé ici. On relâche bien les épaules pendant les mouvements des bras. Rien que ça, hein, déjà ça travaille. Si il y a des problématiques au niveau des épaules, pas de problème. Je peux le faire ici un peu plus bas, face à moi, tranquillement. Voilà, ça peut être une idée ici. Vous allez sentir hein, de toute façon de plus en plus vos bras ici quand on a rajouté les poids. Et pareil, on part ici avec les mouvements des bras. Et petit à petit, on rajoute l'équilibre. Quand vous en avez fait faire, vous en avez fait plusieurs, vous vous challengez en changeant de pied. Voilà, on peut en faire 5 d'un côté, 5 de l'autre, puis repartir sur un pied, puis sur l'autre. Et on continue, hein, bien évidemment, les mouvements des bras, ça va travailler aussi votre coordination. Le fait de travailler le haut et le bas en même temps, c'est bien pour le cerveau. Donc j'espère que ce petit exercice d'équilibre vous a plu. Au niveau des bras, on peut vraiment inventer ce qu'on veut, si on veut un petit peu se déconcentrer, mettre un petit peu en challenge son équilibre. À travailler régulièrement, si vous savez déjà que vous n'êtes pas très fort en équilibre, que vous perdez souvent l'équilibre, ou que vous, par exemple, quand vous montez les escaliers, une marche ou quelque chose, vous rendez compte que ce n'est pas top top, vous vous challengez. Si vous ne tenez vraiment pas, vous pouvez vous tenir à un mur et faire juste un bras pendant que vous vous tenez sans aucun souci. Voilà, je vous laisse essayer.